Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur le 15e live de la chaîne FEB Formation. Alors, on est un petit peu en retard, on a eu un petit problème technique juste avant. On s'en excuse. Juste sur ce 15e live, on va faire suite au 14e de la semaine dernière où on a eu Thierry Moulec qui nous a parlé de ses expériences et a partagé ses connaissances sur la formation des jeunes joueuses et des jeunes joueurs. Aujourd'hui, on a voulu inviter un autre personnage particulier de la fédération. Donc, on va accueillir aujourd'hui Arnaud Gupillotte. Bonjour Arnaud. Bonjour Pierre. Donc, comment présenter Arnaud Gupillotte? Alors, on se connaît plutôt bien puisqu'on est collègues depuis un certain nombre d'années, Arnaud et moi. Effectivement, Arnaud, il a commencé assez tard le basket à l'âge de 18 ans dans les Vosges. Il est un petit peu, il s'est un petit peu Il se caractérise comme un autodidacte de l'entraînement. Et en fait, il a une vraie caractéristique que j'ai pu tester, c'est que c'est quelqu'un de très, très curieux et qui a besoin toujours de vouloir découvrir de nouvelles pratiques et de nouvelles choses. Et en fait, durant ce live, il va vous faire partager comment il a évolué dans sa pratique d'entraîneur et comment cette évolution s'est construite avec toutes les réflexions qu'il a eues au travers des différentes campagnes équipe de France qu'il a menées depuis maintenant 11 ans. Et puis aussi l'expérience qu'il a au quotidien depuis 12 ans au sein du Pôle France Yvan Ménini à Paris. Aussi, dans son parcours, une chose qui est à noter et qui le caractérise assez bien, c'est qu'il a été formateur de cadre. Et donc, il a formé des techniciens au sein de la Ligue de Franche-Comté et anciennement la Ligue du Lyonnais, ce qui a pu lui permettre d'avoir un regard avec un peu plus de recul sur la pratique de l'entraînement et donc a pu enrichir sa pratique d'entraîneur. J'ai fait le tour, Arnaud, là, à peu près? Oh, je pense, oui, je pense. Tu es parti du début et du commencement, dans mes Vosges natales, donc c'était le principal. Donc, très bien, on est parti de la forêt des Vosges et là maintenant tu vas nous éclairer sur ces pratiques-là. N'hésitez pas à poser vos questions à Arnaud tout au long du live, je m'en ferai le relais. Profitez-en, il a plein de choses à partager, plein de choses à dire et on va essayer de le tenir dans le timing parce que c'est quelqu'un de très très loquace. À toi de jouer, Arnaud, bon courage. Merci Pierre, eh bien, c'est un vrai plaisir, bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir d'être présent parmi vous sur ce live FEBB Formation, qui est une très très belle initiative. Effectivement, comme Pierre l'a dit, je suis quelqu'un qui a un parcours un peu particulier et je suis rentré dans l'activité tardivement en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, à l'âge de 18 ans. Et c'était quelque chose, c'était peut-être un mal pour un bien, puisque je n'ai jamais été, on va dire, pris dans un étau pédagogique ou de repère par qui que ce soit. C'est-à-dire, je me suis forgé un petit peu une philosophie au gré de mes rencontres. Elles ont été nombreuses avec différentes personnes qui ont façonné maintenant l'entraîneur que je suis devenu. Voilà. Mais l'entraîneur que j'étais il y a maintenant 25 ans n'est plus du tout l'entraîneur que je suis actuellement. Et c'est un petit peu de ça que je voudrais vous parler, non pas de mon histoire, mais de l'histoire de l'évolution des concepts d'entraînement et surtout de tout ce qui va englober l'entraînement, puisque finalement l'entraînement n'est qu'une conséquence. Alors, on l'a intitulé Évoluer dans son entraînement pour mieux performer, effectivement, parce que c'est l'évolution et le retour sur soi, la critique de soi en tant qu'entraîneur qui fait que le chemin peut être suivi. Alors, je vais commencer les choses, le sommaire. Je vais aborder plusieurs choses, un préambule qui est nécessaire, qui va nous permettre un peu de cibler l'intervention. On va parler des attentes générationnelles. On va y revenir. Toute ma curiosité a été générée par des personnes comme Simon Sinek, comme des observations de beaucoup de choses, de beaucoup d'auteurs. Les principes guident d'une réévolution. J'ai pas voulu dire d'une révolution. Ça aurait été peut-être un peu manquer d'humilité de dire ça, mais d'une réévolution pédagogique autour de la pratique de l'entraînement. Une quatrième partie qui sera autour des composantes de la performance et on va sortir un petit peu du canevas traditionnel. Une cinquième partie autour du management et de la programmation, puisque finalement, comme je vous l'ai dit en préambule, l'entraînement n'est qu'une conséquence de toutes ces composantes là-dessus et des exemples concrets, puisque vous êtes tous des praticiens et non pas des théoriciens. Nous sommes des entraîneurs et non pas des compositeurs. Donc, à partir de là, on prendra des exemples concrets. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si une notion vous échappe ou simplement pour faire état de votre réflexion. Voilà, en préambule,
Je dirais qu'on a un constat, c'est qu'on a une pédagogie actuelle qui est à la française. Alors, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça. C'est un constat qui n'est pas le mien, c'est celui qui est tiré de beaucoup de lectures. C'est-à-dire qu'on a une terre, on est une terre, un pays d'enseignement professoral, où tout simplement le savoir est plutôt descendant, il a un caractère descendant. Et en fait, on a une forme de déni des savoir-faire préexistants des sportifs ou des élèves. On a une formation très universitaire avec un professeur, des élèves, des étudiants, des sportifs qui écoutent sagement ce que le professeur dit. On a dans cette pédagogie à la française une forme de savoir donné qui est peu autonomisant, c'est-à-dire qu'on quelqu'un parle, les autres écoutent, et ne favorise pas l'autonomie de ceux qui vont apprendre. Et ça, on le ressent au niveau de notre pratique du basket au travers de cette pédagogie que l'on a historiquement sur les épaules. La troisième chose, c'est que la relation entraîneur-entraîné n'est pas forcément la plus naturelle possible, du fait tout simplement qu'il y a le sachant et de l'autre côté l'apprenant. Donc à partir de là, il y a une espèce de fossé qui se crée naturellement et qui ne permet pas forcément toujours une belle communication. Et on va y revenir après. Le deuxième point, c'est qu'il y a une évolution générationnelle à prendre en compte. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes que nous avons été à leur âge. On va en reparler plus tard, mais les générations sont différentes. Moi, je suis de la génération X, Pierre aussi, par exemple. Nous étions sagement assis sur une chaise de classe et nous n'avions pas forcément ni le pouvoir ni le vouloir de critiquer, de remanier le savoir que le professeur ou l'entraîneur nous donnait. Donc, c'est-à-dire que c'était un management très descendant. Voilà, c'était un savoir descendant. Donc, ce ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, c'est la génération Z, donc avec des caractéristiques sur lesquelles on va revenir un peu plus tard. La troisième chose, c'est une pratique du haut niveau en évolution. C'est-à-dire qu'il y a une prise de risque maintenant, due aux évolutions de règles, on ne va pas y revenir, mais il y a un basket où la prise de risque est prédominante, où l'intuitivité personnelle et individuelle est de plus en plus prégnante, où la capacité à prendre des décisions individuellement au travers d'un collectif est de plus en plus importante. Donc, une autonomie demandée aux joueurs pour résoudre des problèmes. Voilà, donc il y a aussi un management maintenant qui devient participatif dans les staffs et au travers des staffs et des joueurs et des joueuses où les sportifs maintenant veulent partager le projet et être acteurs du projet et non plus simplement des simples exécutants. Voilà pour une forme de préambule. Les constats actuels, c'est tout simplement qu'on a une perte de sens, c'est-à-dire que les constats, c'est qu'il y a un centrage de notre pédagogie autour des contenus et pas forcément autour des intentions. Et donc, l'objectif, c'est de remettre le pourquoi on fait les choses, le why, dans la petite pastille qui est présentée, au milieu de nos préoccupations, puis ensuite d'expliquer le comment, le how, et ensuite de dire ce que l'on va faire, le what. Voilà. Donc, à partir de là, c'est vraiment remettre du sens. Ce constat-là, c'est de remettre du sens à notre activité d'entraîneur pédagogique avec les sportifs que l'on a en charge. La deuxième chose, c'est que est-ce qu'on s'est vraiment interrogé sur les clés de la performance, qu'est-ce qui amène des joueurs, une équipe à performer ? Il y a des routes secondaires, il y a une autoroute de la performance, on y reviendra un petit peu après. Mais est-ce qu'on s'est réellement interrogé sur ces choses-là ? J'ai pour coutume de dire, quand j'étais formateur de cadre, que le basket, c'est un très grand puzzle. C'est un très, très grand puzzle avec des multipièces, la technique, la tactique, les comportements individuels, les aspects physiques, les habiletés mentales, tout. Il y a énormément de choses. Par quoi on commence? Je suis entraîneur aujourd'hui. Comment, par quel biais je rentre dans l'activité? Je peux être performant avec mes sportifs pour ne pas perdre du temps et ne pas faire un puzzle qui pourrait se faire en un laps de temps X, et ben ne pas prendre plus de temps que nécessaire pour arriver à une forme de performance. Le troisième point, c'est que le constat, c'est que nos talents ne sont pas si nombreux que ça. Et on a souvent des exemples, des contre-exemples, c'est-à-dire qu'en équipe de France féminine, nous allons parler d'une Marine Johannes, qui est une joueuse qui a un talent extraordinaire. Donc, on pense que le basket français est fait de talent. Mais en fait, si on s'interroge vraiment, le talent de cette joueuse-là, il a été efficacement encadré par ses entraîneurs au préalable, par le club de Mondeville dans lequel elle a été, par Valérie en équipe nationale, qui lui laisse la porte ouverte. Mais finalement, à part elle, des joueuses réellement de talent, il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, notre système éducatif, pédagogique, forme de très bonnes joueuses et de très bons joueurs.
Mais pour arriver à laisser une voie royale aux joueuses et aux joueurs talentueux pour s'exprimer, à l'instar de l'Espagne ou des États-Unis, par exemple, eh bien, on a du retard. Et ça, c'est de notre faute. Je dis bien notre faute, j'en fais partie. Et donc, c'est notre faute, c'est notre responsabilité pédagogique d'entraîneur que d'accompagner le talent et non pas de le restreindre. Dernier point, un des derniers points, c'est les feedbacks. Le constat, c'est que comme nous avons un savoir descendant, du fait de notre histoire pédagogique, en fait, si on s'interroge tous et qu'on est tous honnêtes avec nous-mêmes, quel que soit notre parcours, on a tendance à vouloir une perfection technique, une perfection tactique au travers de l'entraînement. Et on arrête, on est un petit peu comme des chefs de gare dans un hall SNCF, à toujours siffler, à toujours vouloir arrêter. L'intention est très bonne, on veut la perfection, on veut le mieux pour les joueurs et les joueuses que l'on encadre. Sauf que ça coupe l'essence même du basket, qui est un sport de transition, où ce sont des phases répétées, des allers-retours, on passe de l'attaque à la défense, on fait une tâche puis une autre. Et nous, on compartimente beaucoup, on a vraiment cet esprit très analytique qui est dans notre ADN d'entraîneur, dans notre ADN de professeur à la française. Et maintenant, bah encore une fois, quand on s'interroge sur les pratiques, j'ai la chance, au travers des équipes nationales, de l'avoir découvert, parce que quand j'étais jeune entraîneur au tout début, je faisais exactement ça, très analytique. J'apprenais le tir, puis après on apprenait le dribble, après on apprenait à passer le ballon. Et puis, une fois que le match était lancé, on ne comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à enchaîner toutes ces phases-là et les différentes phases. Eh bien, tout simplement parce qu'on ne les a pas enseignés. Et au travers de ça, les études qu'on a faites autour de l'observation du basket espagnol ou d'autres pays comme la Serbie, les États-Unis, l'Australie, montrent que leur système d'apprentissage pédagogique est totalement différent. Ils laissent jouer. Donc, j'ai une petite formule, ce serait plutôt de dire arrêtons d'arrêter et transitons. Laissons les joueuses et les joueurs transiter sur le terrain. Apprenons-leur à transiter. Et le dernier point, c'est l'idée de ne pas faire, de ne pas lobotomiser, de ne pas télécommander les joueurs, c'est la quête d'autonomie. Aujourd'hui, nous avons des joueuses et des joueurs qui, lorsque le match ou les situations ne se déroulent pas comme prévu ou comme ils voulaient le prévoir, ce sont des joueurs et des joueuses qui ont des difficultés à s'adapter, à trouver des solutions par eux-mêmes. Et parce que, quelque part, c'est aussi notre responsabilité, on leur a appris à obéir aux consignes, à obéir à quelque chose, et donc par conséquent, on ne les a pas éduqués à s'adapter, à trouver des solutions. Quand j'étais en fac de sport, ça s'appelait les situations à résolution de problèmes. Voilà, donc on ne leur apprend pas vraiment ça, en tout cas d'une manière générale, je ne veux pas faire de cas précis. Voilà. Oui. Arnaud, j'aimerais juste qu'on s'arrête un tout petit peu sur ce constat-là et j'aimerais que tu fasses le parallèle entre l'entraîneur que tu étais et donc tu mettais en avant toutes les difficultés que tu rencontrais. Qu'est-ce qui t'a fait et permis de te dire, ben voilà, il faut que je change de modèle? Alors, ce qui m'a fait, c'est en fait, on va dire qu'au début de ma carrière, j'étais plutôt sur le tout contrôlé. Mais pourquoi? Parce que c'était un état individuel. Je n'avais pas confiance en moi. C'est-à-dire, j'étais un jeune entraîneur qui n'avait pas de background basket en tant que joueur. Donc, je voulais contrôler mon contenu. Et je voulais contrôler la façon dont les joueurs et les joueuses allaient mettre sur le terrain en musique ce contenu-là. Et donc, j'estimais, dans ma représentation de l'entraîneur, que l'entraîneur doit être au centre du dispositif, qu'il doit apprendre aux joueurs et aux joueuses ce que j'ai dit au préalable. J'estime qu'ils ne savent pas faire des choses, donc je vais leur apprendre. Et ils vont faire ce que je leur dis de faire. Donc il y avait cette position centrale dans laquelle je m'étais mise, qui est complètement erronée. La deuxième chose, c'est mon arrivée progressive dans la Ligue de Franche-Comté, la Ligue du Lyonnais, les expériences que j'ai faites au travers des sélections, les sélections nationales également, qui m'ont fait découvrir une autre façon de faire. En 2008, pour la petite histoire, je suis promu entraîneur principal de l'équipe de France U16 et on a une réunion de staff au début avec mes collègues Julien Egloff, Cathy Melin et on a passé environ 80% de notre temps à parler des formes de jeu et de qu'est-ce qu'on allait faire pour rendre cette équipe-là performante. Et en fait, on s'est aperçu que les formes de jeu ont participé à 10%, 15% de l'efficacité de notre projet. Donc on a passé un temps fou à parler de quelque chose qui ne nous a pas servi à grand-chose au final. Et en fait, on s'est le mieux exprimé dans les compétitions au fur et à mesure des campagnes. Je voyais que l'expression des joueuses, quand on leur laissait la possibilité de s'exprimer dans un cadre déterminé ensemble là-dessus, bah, faisait qu'elles s'exprimaient de mieux en mieux. Alors, au début, ce qui n'était qu'un feeling est devenu quelque chose que j'ai creusé à travers du développement personnel, à travers
l'étude de beaucoup d'auteurs. Je parle de Simon Sinek, Claire Calmet, Onesta, toutes ces tendances-là. Je pense citer encore beaucoup d'autres. Et à partir de là, je me suis aperçu que l'entraîneur, finalement, devait être à la périphérie des joueuses, et les joueuses et le jeu devaient être au centre du dispositif. Et donc, à partir de là, ce n'est pas se désengager de l'équipe, c'est simplement trouver sa bonne posture et ne plus être un coach directif qui aboie sur les joueuses ou aboie sur le jeu dès que quelque chose ne se passe pas comme lui le veut, mais d'accompagner le talent, les savoir-faire présents ou futurs des joueuses, de manière à vraiment optimiser leur talent et leur laisser cette liberté. Et on verra derrière que c'est important par rapport aux générations. Merci. Si je résume, en fait, tu as vu les limites de ton système et forcément, en évoluant en tant que personne, tu as évolué en tant qu'entraîneur et pour gagner en efficacité. Je te laisse enchaîner sur la méthode pédagogique qui suit. Exactement. Donc derrière, les conséquences, c'est quoi? C'est que finalement, y a-t-il une cohérence entre les méthodes traditionnelles qu'on utilise et la réalité du jeu? Est-ce qu'il n'y a pas au contraire une dissonance entre ce que l'on veut, ce que l'on veut faire pratiquer aux joueuses et la manière dont on le fait. La deuxième chose, c'est le talent. Comment l'accompagner? Est-ce que vraiment les joueuses et les joueurs qui ont du talent, on est capable, avec ces processus pédagogiques traditionnels, d'accompagner ce talent-là jusqu'à l'optimiser, c'est-à-dire l'efficience. La troisième chose, c'est comment est-ce que nous formons des joueuses et des joueurs créatifs? Parce que de l'avis des observateurs étrangers, c'est pour ça que mon métier, ma fonction dans la fédération me permet d'avoir ce retour aussi des autres entraîneurs étrangers. Ils nous voient et on peut se voir aussi comme un basket académique, certes structuré, mais qui ne met pas la place centrale, qui ne pose pas la créativité en termes de priorité. Avec une prise de risque, c'est un constat. Tous les entraîneurs que nous sommes, ou une grande majorité, on ne comprend pas pourquoi dans un match, on dit à une joueuse, mais vas-y, lâche-toi, joue, prends des risques, vas-y, prends tes tirs, pourquoi tu refuses le tir? Ben oui, mais parce que l'entraînement, finalement, on veut que la joueuse passe les ballons les deux pieds à terre, soit structurée dans sa façon de faire, le petit doigt doit être sur la couture, ainsi de suite. Donc finalement, on demande une perfection dans les réalisations, et puis en match, on leur dit, mais finalement, sois imparfaite. Et il y a une espèce de dualité, de dissonance entre le discours et la pensée, entre l'intention et la réalisation de ce que l'on fait à l'entraînement. Et tout ça, bah, ce sont des choses qui sont problématiques. Voilà. Donc. Juste, excuse-moi, j'ai juste une question. Pareil, parce que je pense que la richesse de ton parcours amène à ce que tu vas pouvoir un peu partager ton expérience. Est-ce que les joueuses créatives que tu as rencontrées dans les différents collectifs que tu as entraînées t'ont posé des problèmes dans l'entraîneur que tu étais? Bien sûr, c'est grâce à elle. J'ai vu il y a très très peu de temps Marine Fautou, qui est, on va dire, l'expression d'une joueuse créative. Et on a parlé de ça. Et en fait, j'ai eu des joueuses comme Marine Johannes aussi en équipe nationale. Ce sont des grandes chances pour un entraîneur d'avoir ce type de joueuse, qu'elle nous révolutionne. Avant de parler de ce que j'ai vu, je suis parti de Zidane. Zidane, il est un entraîneur à Cannes. Qui, à la question, vous avez fait un travail extraordinaire avec Zinedine Zidane, vous lui avez appris beaucoup de choses. L'entraîneur a dit, mais non, c'est lui qui m'a plus appris parce qu'il connaissait déjà, il avait déjà cette technique particulière et ses spécificités, ce talent naturel. Et moi, je n'ai fait que l'accompagner. Je n'ai fait que l'accompagner et bordurer son talent pour qu'il soit de plus en plus efficace. Une Marine Johannes, quand elle est arrivée en équipe nationale, c'était un ovni. Elle fait des choses qu'on n'avait pas encore vues. Est-ce qu'elle l'a appris? Est-ce qu'elle s'est approprié? C'est un peu de tout. Elle dit elle-même, elle voit beaucoup de vidéos, elle imprime, elle essaie, elle imite. Marine Fautou, son histoire personnelle, forcément, la nourrit de beaucoup de choses, de créativité associée à de la grinta. Et donc, ces joueuses-là, plutôt que de leur dire « tu n'as pas le droit de faire ça, non, il faut pas, ne perds pas le ballon, acceptons de les laisser perdre des ballons », pour mieux leur dire, dans cette situation-là, tu ne perdrais pas le ballon si, par exemple, je ne sais pas, une passe dans le dos, tu la faisais de telle manière. Mais ce n'est pas la passe dans le dos qu'on va interdire. On va lui permettre d'améliorer une technique de passe dans le dos, par exemple, ou de dribble entre les jambes, ou de choses particulières. Et on va, comme un diamant brut, eh ben, le polir, mais non pas pour le restreindre, mais au contraire, pour qu'il scintille de manière encore plus importante. Donc oui, la réponse à ta question, c'est oui. C'est ce type de joueuse-là qui m'a fait évoluer. Donc, si je te suis, et j'aimerais que tu puisses aussi le partager là, parce qu'on a sûrement plein de gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ont dans leurs équipes des joueurs
dits atypiques de par leur créativité. Comment tu caractérises l'accompagnement? Si tu avais un conseil ou des conseils à donner à ces jeunes entraîneurs dans l'accompagnement de ces joueurs créatifs ou de ces joueuses créatives? Le premier conseil, c'est surtout de ne pas les restreindre. C'est-à-dire, les joueurs créatifs, ils voient le terrain comme un bac à sable, comme un parc d'attractions. En fait, c'est vraiment ce qui les caractérise. C'est-à-dire que le terrain est un terrain de jeu. Donc l'aspect ludique est très important. Il ne serait pas créatif s'il n'aimait pas ça, l'aspect spectaculaire des choses. Donc à partir de là, c'est plutôt de se dire, qu'est-ce que je peux tolérer dans un premier temps, à court terme? Qu'est-ce que plus tard elle aura besoin? Et qu'est-ce qui n'est pas tolérable pour le bien de l'équipe et de la performance? Et en fait, la vérité sera un petit peu entre. Voilà, ça va couler entre. C'est au milieu coule une rivière, au milieu coulera la vérité. C'est-à-dire que l'accompagnement, c'est de dire on part de la joueuse, on la met au centre du dispositif, on regarde, on l'observe, on voit ce qu'elle fait, ce qu'elle aime faire, on la questionne, simplement on ouvre les yeux. Et puis à partir de là, c'est de dire. Comment je pourrais améliorer ou lui permettre d'améliorer ce qu'elle-même déjà est en train de produire. Donc, c'est de partir déjà de l'état de fait, de l'accompagner et puis de lui faire montrer peut-être des vidéos, de peut-être la faire se questionner de manière à ce qu'elle puisse utiliser de manière de plus en plus performante et pertinente tout ce qu'elle est déjà en train de faire, d'éveiller sa curiosité. Voilà, moi j'ai un entraîneur dans mon staff depuis 3-4 ans, c'est David Morabito. Je ne sais pas s'il m'écoute, mais en tout cas, voilà, qui lui adore pousser les joueuses avec des trucs de plus en plus, des situations pédagogiques de plus en plus créatives, de plus en plus difficiles, de jouer sur la complexité, de jouer sur le ludique, de manière à vraiment contribuer à alimenter cette créativité. Donc, en fait, si je te suis, c'est effectivement tout l'accompagnement qu'il faut avoir et il faut laisser les gens oser, si je te suis un petit peu. Eh oui, osons, ne restreignons pas, surtout pas. Ma dernière question, avant que tu puisses enchaîner sur les caractéristiques de cette génération-là, comment tu fais comprendre à cette joueuse créative qu'elle doit nécessairement être au service de l'équipe? C'est-à-dire, comment elle met sa créativité au service de l'équipe, d'une manière un peu plus collective? Alors, je vais prendre l'exemple de Marine Johannes. Marine Johannes, en moins de 20, c'est une joueuse qui jouait déjà depuis 2-3 ans à Mondeville en Ligue féminine. Et elle avait un penchant, c'était de faire des passes décisives très spectaculaires. Je n'ai pas vous la présenter, les highlights parlent pour elle. Mais simplement, elle perdait à peu près 6-7 ballons par match. C'est-à-dire que sa prise de risque coûtait à l'équipe. Donc en fait, on a fait un deal avec elle, simplement un deal. On lui a dit, voilà, moi je veux bien te laisser, le deal c'est suivant, je te laisse faire comme tu as envie. Mais par contre, pour le bien de l'équipe, il y a un moment donné, tu ne peux pas perdre plus de 3 ballons là, sur la mi-temps. Donc, tu perds 2 ballons. Derrière, tu reviens à des choses plus basiques parce qu'autrement, on va perdre vraiment ces choses-là. Parce que 6 ballons, on va y revenir après, c'est 12 ballons, enfin, c'est 12 points de contre-attaque encaissés, quoi. Donc, à partir de là, on a mis des deals. C'est-à-dire, vas-y, fais, mais jusqu'à un certain moment parce que là, ça va coûter à l'équipe d'une manière véritable. Voilà. Donc en fait, on l'a laissé faire jusqu'à un point, puis après on dit reviens un petit peu maintenant, tu referas ça plus tard en deuxième mi-temps, t'interdis pas. Mais voilà, donc grosso modo, tu as 1 ou 2 balles maximum par carton à perdre sur le match. Autrement, après, tu coûtes vraiment trop cher. Merci, je te laisse enchaîner sur les caractéristiques de cette génération Z. Voilà, alors juste avant de vous parler, c'est vraiment, vous allez voir que c'est tout du cause-conséquence en fait. Donc comment on évolue il faut partir en fait de l'existant. L'existant, je l'ai dit, c'est les joueuses, elles sont en face de nous. Et les attentes d'une génération, de nos joueuses, ne sont pas les mêmes que les nôtres à la même époque. Donc en fait, la génération Z, c'est les joueuses qui sont nées en 95 et après, jusqu'à présent. Et voilà, grosso modo, hein, c'est une vulgarisation, une simplification de leurs caractéristiques. Voilà comment cette génération-là fonctionne. C'est une génération qui veut communiquer, qui aime la collaboration, qui a besoin de connexion, et pas seulement Internet, une connexion humaine, qui a besoin de créativité. C'est une génération qui a besoin et qui va très vite dans la prise de décision quand elle est reliée aux émotions. Et là, on peut parler un petit peu de la gestion des émotions, parce que certains diront il ne faut pas avoir d'émotions quand on joue, d'autres disent mais si, il faut jouer avec des émotions. Encore une fois, je reprends le basket espagnol, elles acceptent leurs émotions, mais par contre, elles ne se laissent pas envahir. Elles ont besoin de sens et elles ont besoin d'avoir des responsabilités. Ça va influencer sur notre relation pédagogique et managériale. Elles ont besoin non plus d'obéir aux ordres, mais de participer au projet. Parce que c'est une génération qui a besoin d'être intégrée dans un projet global. Donc, elles veulent un management participatif, où elles ont leur voix, où elles ont un aspect décisionnel quelque part. Et puis, c'est une génération qui a besoin d'un véritable équilibre entre la discipline et la créativité, c'est-à-dire non pas que ce soit
comme on appelle ça le wild, là, l'anarchie sur le terrain, mais par contre, elles ont besoin d'un espace de créativité. Donc voici les attentes générationnelles. Et si nous, en tant qu'entraîneurs, on ne prend pas compte de ces joueuses-là, de ces aspects-là, on va avoir déjà un problème de relation pédagogique avec les joueuses parce qu'on va se mettre en porte-à-faux avec elles. Donc ça, c'est essentiel pour moi. Et je vais vous prendre après, je vais vous expliquer les exemples. Les principes guident une révolution pédagogique. Ça, c'est la deuxième chose qui m'anime et que je suis. En fait, c'est mon garde-fou personnel. C'est la loi de Pareto, mais inversée. La loi de Pareto, qu'est-ce que c'est? C'est une loi économique. Grosso modo, 95% des causes, 80% des causes provoquent 80% des résultats. C'est dans les domaines de l'entreprise. En fait, le trait qu'on a fait sur le diagramme montre qu'en fait, c'est l'inversé. C'est-à-dire que, pour parler plus simplement, pourquoi passer 80% de son énergie et de son temps à travailler sur, ou avoir un focus particulier sur quelque chose qui va servir 20% du résultat? Et inversement, pourquoi passer que 20% de son temps pour quelque chose qui est 80% essentiel? Donc moi, j'essaie de renverser cette loi-là. Et vous allez voir après pourquoi et comment. Ça va être avec le cœur de performance. Donc là, bah, j'essaye, avec un garde-fou, de me dire ce qui est essentiel, je dois y passer 80% de mon temps. Et ce qui est secondaire et pas essentiel ne prendra que 20% de mon temps. Donc ça, c'est mon principe guide. La deuxième chose, c'est le rasoir d'Occam. Alors, c'est grosso modo, le petit dessin montre que pour planter un clou, on peut simplement planter un clou avec un marteau ou faire comme les Shaddock, inventer un espèce de mécanisme insensé. En fait, c'est pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Voilà, c'est l'inverse sur le diagramme, mais c'est justement provocateur. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est le principe de simplicité, de parcimonie, c'est un raisonnement philosophique. Donc à partir de là, c'est la simplicité, et non pas la vulgarisation, au service de ce qui est prioritaire. Donc ça, c'est des choses qui m'ont animé pour aller vraiment là où c'est important et là où c'est nécessaire. Avant que tu enchaînes sur cette partie-là, j'aimerais que tu nous fasses le lien entre les attentes générationnelles et ce que tu viens d'expliquer. Et globalement, comment tu sensibilises ces nouvelles générations avec tout ce que tu as caractérisé à ces choses essentielles? Alors déjà, je leur explique, comme je le fais en face de vous actuellement. C'est-à-dire, ce que je propose là, alors c'est pas le même dessin forcément, mais je leur explique. Parce que je pars du principe que le public qu'on a en face de nous est intelligent. Donc, qu'ils sont capables de comprendre. La deuxième chose, c'est qu'on essaie de se mettre d'accord sur ce qui est important. Et on va y venir juste après sur les facteurs de performance. C'est-à-dire que, comme j'ai dit avant, elles ont besoin de sens. Elles ont besoin de coopérer. Elles ont besoin d'être intégrées. Donc, en fait, l'explication va aller dans le sens de dire ce qui est très important pour, dans mon cas, gagner une médaille, gagner l'or, c'est de respecter ce type de choses. Voilà ce que disent les chiffres. Donc maintenant, si vous en êtes d'accord, on va faire une bande, une frise une pédagogique, des entraînements qui vont avoir pour point de départ le cœur de la performance. Donc on va passer notre temps, 80% de notre temps, à travailler et à fonctionner ensemble de manière à ce que vos attentes à vous de collaboration, de sens, de créativité soient bornées par ce cœur de performance-là. Et puis, on va être simple, c'est-à-dire qu'on leur demande, moi j'ai une petite maxime que je leur dis aussi, je préfère voir une joueuse penser à jouer plutôt que de voir une joueuse qui joue en pensant. Voilà. Donc en fait, j'essaie de simplifier. Vous savez que l'esprit humain, il ne peut pas traiter d'une manière efficace plus de 3 informations. Donc en fait, j'essaie de simplifier pour que cette simplification-là amène de l'efficacité, de la performance. Donc à partir de là, simplifions et jouez, pensez à jouer avec un grand J et ne jouez pas en pensant qu'est-ce que je dois faire là. Ça va être la répétition, ça va être aussi les choses induites, ressenties qu'on va travailler. Ça va pas tomber du ciel, mais ça, on va travailler. Et c'est le talent des joueuses qui va aussi l'amener et le nourrir. Si je reprends le tout départ de ton intervention, tu leur apprends à comprendre le why en fait. C'est ça, c'est le why. Pourquoi on va faire ça? Pourquoi on va aller dans cette direction-là? Et puis, surtout, j'attends leur je fais une petite anecdote. L'été dernier, j'avais la génération 2001, mais une génération, alors ça fera plaisir à certaines et moins à d'autres, mais qui était amputée de ses 5 meilleures joueuses. Et on s'est posé la question avec le staff, est-ce qu'on doit jouer en contrôlant le match, c'est-à-dire en contrôlant le jeu,
en jouant en marchant, faire des formes de jeu, demi-terrain et compagnie là-dessus. C'était les questions que mon staff et moi, nous nous sommes posées. Où est-ce qu'on libère les énergies, on fait confiance aux joueuses? Et moi, bah, je préfère, entre guillemets, mourir avec mes valeurs et mes convictions plutôt que survivre avec, en me prostituant. Donc, à partir de là, on a dit non, on fait confiance aux joueuses. Il n'y a peut-être pas les cinq meilleures scoreuses de l'équipe des années précédentes, mais il y en aura d'autres. Il y aura d'autres joueuses, elles ont plein de compétences, elles ont beaucoup de talent. On va essayer d'optimiser ça. Donc, on a libéré les énergies parce qu'on leur a proposé le why. Voilà, le why. Comment on va jouer, les intentions de jeu, simplifions le jeu et finalement, on termine meilleure adresse ou des meilleures adresses, meilleur au rebond, meilleur à ci, meilleur à ça. On fait troisième. Bon, certes, voilà, on ne fait pas premier, mais on a atteint une performance que beaucoup ne nous promettaient pas. Merci. Je te laisse sur les 25 minutes qui nous restent nous parler effectivement des composantes de la perf et des constats que tu as pu faire au travers des différentes campagnes que tu as menées. Très bien. Alors, les composants de la performance. Bon, on parle le quintet classique des habiletés, c'est dans le désordre, hein. Donc, il y a les habiletés techniques, je n'ai pas m'y attendre, hein. Les habiletés techniques, les fondamentaux techniques, les habiletés mentales. Les habiletés physiques, les habiletés tactiques et les habiletés interrelationnelles. Ça, c'est ce qui compose, on va dire, les habiletés classiques de la performance. Mais après une étude alors je ne l'ai pas faite moi, c'est l'ensemble de collègues qu'on a fait ça il y a quelques années. Et après, je me suis approprié pour vous montrer ça. Il y a le cœur de la performance. Donc, le cœur de la performance, en fait, il est constitué de quatre grands points. Il y a le rebond. C'est-à-dire que si nous récupérons 75% des tirs manqués de l'adversaire, c'est-à-dire sur 10 tirs manqués de l'adversaire, on en récupère 7 et demi. Si en attaque, on récupère 4 tirs sur 10, c'est-à-dire 40% de nos tirs manqués, si, alors avec différentes, hein, selon l'âge, si au niveau des balles perdues qui vont être intimement liées avec les points encaissés sur le jeu rapide, on est capable de perdre moins de 18 balles en U16, moins de 16 balles en U18, moins de 14 balles en U20 et moins de 12 balles en senior. Si au niveau de l'agressivité, des chiffres de l'agressivité, on est capable de tirer 18 lancers francs, bon 16, 18 lancers francs à 70% de réussite, et si on est capable d'encaisser moins de 12 points sur le jeu rapide adverse, on a 90% de chances de monter sur un podium. Alors attention, ce sont des chiffres. Bien sûr, il faut marquer quelques paniers. Il faut quand même marquer quelques lay-ups, marquer un petit peu de tir, mais on n'a pas besoin d'être dans des taux extraordinaires et extrêmement hauts si on maîtrise ces quatre points-là. Donc en fait, le cœur de performance, il est là. Maintenant, si je pose la question, alors les réponses ne pourront pas m'être données en direct, mais c'est un questionnement personnel pour chacun. C'est sur le rebond. Combien de temps passons-nous à l'entraînement tous les ans, toutes les semaines, tous les jours, à travailler spécifiquement ou en tout cas avoir un focus particulier sur le rebond, en attaque comme en défense? Pas beaucoup. Combien de temps on va passer sur les balles perdues à travailler des relations extérieures-intérieures, des timings, des spacings, ainsi de suite, un travail autour du dribble sous pression, de l'aisance sous pression, dans des situations particulières? Pas beaucoup. Combien de temps passons-nous à travailler sur la transition attaque-défense qui va nous permettre d'améliorer le repli défensif? Pas beaucoup. Parce que des feedbacks intempestifs, parce qu'on arrête le jeu, parce qu'on veut corriger quelque chose avant que le rebond se passe. Et combien de temps passons-nous, alors si le 1 contre 1, on va dire que c'est un peu plus culturel en France, mais l'agressivité, mais par exemple aux conditions du lancer franc, comment on va tirer un lancer franc, la respiration, ainsi de suite. Pas beaucoup. Donc finalement, on va travailler beaucoup plus les formes de jeu, le 5 contre 5, les organisations défensives, les options sur le pick and roll, les choses comme ça. Ce qui va représenter, moi je vous le dis, en équipe nationale, chaque année, que ce soit en U16, en U18, en U20, dans toutes les catégories que j'ai pu encadrer, le demi-terrain ne rapporte que 25-30% de résultats. Loi de Pareto. Et le tout-terrain, la défense comme l'attaque, rapporte 70% du résultat. Donc finalement, dans la conception de l'entraînement et des contenus, voici un point de départ à ce fameux puzzle très important que chaque entraîneur a devant lui pour essayer de cerner comment il peut entraîner, quel contenu il peut mettre en Ah. place. Arnaud, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, tu identifies des composantes, mais tout aussi, tu mets des modalités d'évaluation. Qu'est-ce qui t'a Exactement. amené à établir ces modalités d'évaluation? Ah, c'est simplement l'étude qu'on a faite avec les collègues du Centre fédéral il y a quelques années sur les résultats, c'est-à-dire les compétitions hommes, femmes, seniors, jeunes,
international, intercontinental, continental. Voilà, donc on a établi des chiffres. Il ne serait pas inintéressant de recommencer. C'était il y a 6, 7 ans, 6 ans qu'on a fait ça, 5, 6 ans, je crois. Et voilà, il ne serait pas inintéressant de recommencer pour voir si les chiffres sont toujours les mêmes ou pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'anime depuis ces années-là dans l'évaluation des équipes nationales que j'ai. Et après chaque match en équipe nationale, par exemple, ce sont ces chiffres-là qu'on présente aux joueuses. Voilà. Ok, je vais te demander un exercice de style particulier parce que je sais que toi, tu mets le focus sur tes U16 ou notamment toute l'année au sein du Pôle France Yvan Ménini. Mais si tu avais à faire cette composante de la perf sur des U13 ou des U15, est-ce que ça serait les mêmes composantes ou elles différeraient? Ce serait les mêmes dans l'esprit. Parce qu'encore une fois, mon discours n'est pas de dire il faut travailler le rebond sur 2 heures d'entraînement pendant 2 heures. Ce n'est pas ça. C'est de dire qu'à un moment donné, on doit avoir un point de départ. Et je vais justement montrer l'exemple après pour montrer comment on peut associer d'autres choses là-dessus. Mais ce serait plutôt ce qui est derrière le rebond, en fait, que je travaillerais différemment avec des U13, des U15, des U16 en fonction du niveau de jeu. Mais le rebond, je continuerai à le travailler. Parce que de toute façon, aujourd'hui ou plus tard, ça va être un aspect incontournable de la perf. Vous regardez en U13, malheureusement, avec l'emploi du temps, c'est compliqué de voir tous les matchs, mais quand je peux voir des teases, même dès qu'il y a des défenses tout-terrain qui se mettent en place, dès que je vois des vidéos de matchs régionaux sur des équipes où il y a des trappes qui sont provoquées, des zones presse, des choses comme ça qui ne sont pas très pédagogues sur ce niveau-là, mais quand ça arrive, les gens perdent le ballon. Non pas parce que la défense est forte, mais parce qu'ils n'ont pas les compétences. Donc finalement, la compétence va arriver aussi dans le travail de ne pas perdre le ballon, de conserver le ballon dans des bonnes conditions. Donc finalement, que ce soit aujourd'hui ou demain, les équipes U13, U15, U16, U18, peu importe le niveau, auront besoin de ces quatre choses-là, parce qu'on va les relier à des contenus différents derrière. Mais c'est la porte d'entrée, en fait. C'est pas le c'est la porte d'entrée et la porte finale. Et au milieu, il va y avoir des contenus. Le tir, le dribble, les fondamentaux individuels, collectifs qui vont être là. Mais c'est la porte d'entrée. Je comprends. Je te laisse enchaîner sur effectivement la déclinaison de tous ces quatre composantes. Voilà, donc le cœur de perf, ça, c'est le point de départ. Je disais, c'est la porte d'entrée. Donc en fait, grosso modo, c'est de dire, par exemple, sur les balles perdues, si on entre par cette notion-là, de dire comment, alors j'aime pas trop parler négativement, comment conserver le ballon et assurer des passes. Ben, on va partir de ce postulat-là et dire notre travail va être organisé dans du travail technique pur et dur, dans des relations tactiques entre les joueuses. Ça peut être à travers le jeu rapide, ça peut être à travers des relations extérieur-extérieur, extérieur-intérieur, intérieur-extérieur, dans différentes conditions. Voilà. Mais on va relier cette thématique de la balle perdue à une thématique technique, premièrement, et ensuite à un travail tactique. Si je prends la thématique de l'agressivité. Voilà, là, qui dit agressivité, volonté d'agressivité, ça veut dire qu'il va falloir techniquement améliorer les outils du 1 contre 1. Donc le dribble, les départs en dribble, les pivotés, voilà, les intentions, les attitudes. Et derrière, on va, à travers du jeu réduit, du jeu d'intention ou du jeu organisé en fonction des. C'est là où je rejoins ta question, en fonction de U13, U15, U16. Peut-être qu'en U13, on sera simplement sur des intentions, comment dire, larges, avec des joueuses qui ont plus d'intentions que de formes de jeu à réaliser. Et donc, les organisations tactiques vont être l'aboutissement, enfin, l'outil de l'agressivité. Et ce n'est pas l'agressivité qui est l'outil de l'organisation technique. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut une cohérence. Si on veut de l'agressivité et qu'on joue avec deux intérieurs qui bougent tous les couloirs de jeu, vous voyez le basket actuel, c'est plutôt maintenant un basket avec quatre joueuses qui jouent à l'extérieur et une seule joueuse qui va jouer plutôt à l'intérieur. On libère les couloirs d'agressivité, on libère les espaces, il y a une notion de spacing qui va être intégrée là-dedans par l'entraîneur. Mais le point de départ, c'est comment être agressif, comment provoquer des fautes, comment marquer des lancers francs, avec un travail technique autour de ça. Donc, comment partir en dribble, donc comment avoir les espaces pour pouvoir le faire, donc comment collectivement et dans les intentions on va pouvoir organiser ça. Sur le repli défensif, encore une fois, si à un moment donné les aspects transitionnels ne sont pas mis en place, ça va être compliqué, c'est la transition attaque-défense. Donc, à partir de là, le repli défensif, si on estime qu'il est au cœur de nos préoccupations, que c'est un cœur de performance, c'est mon point de départ didactique, c'est-à-dire que quand je conçois l'entraînement, je me dis, bon, il faut que je mette des situations attaque-défense, défense-attaque, pour que
les points encaissés sur tout le terrain diminuent lorsque je serai en situation de match et les habituer à transiter. Donc ça va être des situations transitionnelles, ça va être leur donner des intentions, protéger la raquette, freiner le ballon, communiquer sur une reprise défensive pour ensuite retrouver un équilibre défensif à 5 contre 5. Or, des fois, trop souvent encore, on voit des joueuses qui ne transitent pas. Je prends un exemple tout bête. On fait un exercice de tir. Bon, le tir, c'est le début de la transition attaque-défense. Une joueuse qui tire extérieur, on va faire des répétitions de tir, par exemple, ou un travail d'adresse. On va tirer. La joueuse, en fait, elle enchaîne les tirs sans jamais transiter derrière. Pourquoi ne pas imaginer, pédagogiquement, la joueuse tire et elle va faire une action de repli ou de rebond derrière. Voilà, c'est-à-dire le repli, c'est l'association du rebond off et de la protection du panier. Donc, de toujours mettre une transition, quel que soit l'exercice que l'on fait. Comme ça, on est en cohérence avec le cœur de performance qui est le repli défensif et le fait de ne pas encaisser de points sur le tout terrain. Dernier point, c'est le rebond. Donc, c'est l'exemple que je vais prendre juste derrière en exemple pratique. De travailler techniquement le rebond, le box-out. Mais par contre, ça vient aussi, on sait tous que le rebond, il est efficace si la défense n'est pas déstructurée par des aides intempestives défensives pour ne pas retrouver une joueuse petite sur une grande ou une grande sur une petite. Et donc, à partir de là, on va décliner la qualité du 1 contre 1, la défense du 1 contre 1. On va décliner la transition entre une défense non porteur et une défense autour du tir, c'est-à-dire le box-out. On va décliner après des placements défensifs, des organisations collectives et des options défensives en queue de peloton qui vont nous permettre. Mais ça veut dire que chaque situation de jeu qu'on va travailler doit être associée à la notion de rebond. Et à partir de là, on va pouvoir, à travers notre pédagogie associée, pouvoir travailler ces quatre points quasi en permanence et presque donner un réflexe acquis par les joueuses et les joueurs que l'on a de transiter en permanence et de pouvoir être efficace dans ces quatre points-là. Sans oublier, bien sûr, le travail, parce que, encore une fois, mon propos, ce n'est pas d'éluder le travail technique et compagnie, c'est de l'intégrer et de le relier à ce cœur de performance. Arnaud, avant que tu enchaînes sur l'exemple lié au rebond, il y a une question qui arrive et qui est, à mon avis, intéressante. C'est que quand tu expliques la globalité au service de ces quatre composantes, est-ce que tu peux nous décrire comment tu organises une séance, par exemple, pour que les gens comprennent réellement comment ça se matérialise? Alors, je vais le faire juste après parce que c'est la suite, c'est la Pardon. diapo suivante, voilà, Pardon. je crois. Donc, en fait, ouais, je termine là-dessus sur la petite phrase. Quel que soit le thème travaillé, il est relié à l'un des éléments du cœur de performance. Alors, derrière ça, je vais prendre un exemple pour répondre à cette question-là. Donc, première situation, situation 1, le rebond. On va partir du rebond. Donc, situation 1, par exemple, je suis à l'entraînement, je construis un entraînement. Nous, par exemple, au Pôle France, sur les 4-5 entraînements collectifs que l'on a dans la semaine, on travaille au minimum 7-10 minutes par entraînement, ce type de situation-là, qui est un bloc simple. Je vais expliquer après ce que c'est. Donc, la situation 1, c'est du box-out et une transition autour de ça. Oh, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Voilà. Donc, à partir de là, hop, ne fonctionne pas. Voilà. Donc, deux joueuses, la joueuse 1 et 2, la joueuse 1 ayant un ballon, deux autres joueuses en binôme 3 et 4 qui sont non porteurs. La joueuse 1 passe le ballon à la joueuse 4, croisement de course et simplement la joueuse 4 tire et il y a lutte pour le rebond. Rebond off ou rebond def. Voilà. Donc, derrière, voilà. Donc derrière, la pédagogie, c'est du travail en bloc simple. C'est tout bête. C'est la conquête du rebond et la technique du box-out associée. On va le travailler 5-7 minutes maximum sur l'entraînement. La situation 2, qui va être juste derrière, elle va reprendre, et encore une fois, on part du rebond, mais on ne va pas simplement l'isoler. Ça va être du 1 contre 1, on va travailler à la fois l'agressivité offensive et l'agressivité défensive, et la tenue du duel, la défense du 1 contre 1. Le box-out, la transition entre le rebond off, le repli et la contre-attaque. C'est-à-dire que c'est quasi la même situation du 2 contre 2, ou ça peut être du 1 contre 1 d'ailleurs. Hein. C'est juste un exemple de situation. Et on va travailler avec la joueuse 3 et 4 associée, la joueuse 1 et 2 en défense.
Et la joueuse 3, imaginons que dans le jeu, attaque en 1 contre 1, va tirer. Donc il y a une transition défense-porteur sur la joueuse 3, une transition défense-non-porteur rebond sur la joueuse 4. Derrière, on a travaillé la défense du 1 contre 1, le box-out. Et derrière ça, on va enchaîner sur la joueuse 2, par exemple, admettons qu'elle ait la balle, qu'elle récupère la balle, après panier raté ou qu'il y a une sortie, une remise en jeu. Il y a une situation de contre-attaque, c'est-à-dire qu'on est dans la transition j'attaque puis je défends. Donc la joueuse 3 et 4 vont devenir défenseurs et elles vont devoir s'associer pour protéger la raquette et par exemple freiner la montée de balle. Donc là, on rajoute des composantes, sauf que le point de départ, le focus que l'on met au départ, c'est qu'est-ce qui se passe derrière le tir? C'est le rebond def, le rebond défensif et le rebond offensif associés. Donc on va rester dans notre cohérence sur le cœur de performance. On va travailler le duel, on va décliner ce qu'on a dit avant, et puis après, on va travailler sur la transition, cœur de performance, l'agressivité offensive, cœur de performance, la contre-attaque, et donc forcément par opposition, la défense de la contre-attaque pour empêcher le cœur de performance. Voilà. Donc là, la pédagogie utilisée, c'est du travail en bloc complexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rajoute comment on appelle ça, des incertitudes et des aspects plus complexes à la situation pour développer les aspects transitionnels, donner du sens tactique et développer les intentions. Et ça, on va y passer beaucoup plus de temps. Donc pour vous montrer, pour répondre à la question, on passe d'une situation 1 où on intègre 5, 6, 7 minutes en rappel pour vraiment faire comprendre et intégrer les choses, une situation 2, puis 3, puis 4, où là, on va être dans du jeu, où on ne va pas couper, on ne va pas faire des feedbacks tous les 10 secondes. On peut travailler sur un aller-retour, deux allers-retours, trois allers-retours, de manière à développer ces aspects transitionnels. Donc si Arnaud, si je te suis bien, tout est lié en fait. Exactement, tout est lié. Tout est lié. Et en fait, nous, je pense que des fois, on ne lit pas trop les choses, on les compartimente. Et donc si comme tout est lié, ta posture, elle est plutôt celle d'un guide qui accompagne, enfin, qui oriente la joueuse dans les différentes décisions à prendre et les outils à utiliser, si Tout à fait. je résume. C'est exactement ça. En fait, on va faire même de l'autocorrection. C'est-à-dire que la première lame de correction, ce n'est pas nous, c'est les joueuses. Elles vont faire leur bilan. On va essayer de développer leur autonomie, leur sens critique. On va faire une séquence, par exemple, sur la situation 2. On fait une séquence de 3-4 minutes de jeu sans arrêt. Nous, on donne des consignes à la volée, des feedbacks à la volée. Puis à la fin de la situation, c'est huddle, c'est-à-dire regroupement de joueuses. Allez, qu'est-ce que vous avez pensé de la situation? Ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché? Très bien. Comment on peut la résoudre? Ok, très bien. Eh bien, c'est parti, j'ai rien à ajouter. Donc on y va, on continue. Quand tu récupères des joueuses en équipe de France, elles n'ont peut-être pas tout le temps été entraînées sur ce mode-là. Est-ce que ça prend du temps à leur faire comprendre la nécessité, comme tu dis, d'avoir un regard critique sur ce qu'elles viennent faire pour trouver des solutions, ou est-ce quelque chose qui vient assez rapidement dans l'entraînement? Ben, ça dépend de qui, parce qu'en fait souvent, s'il y a des joueuses initiées qui initient les non-initiés, je ne sais pas si je le fais comprendre. Ouais, c'est un effet de groupe, en fait, c'est ça que. Voilà, c'est un effet de groupe. Et puis finalement, moi, quand je discute un petit peu avec les joueuses, la plupart adorent, la grande majorité adore, parce que la parole est libérée. Et encore une fois, attente générationnelle, elles veulent participer à ça. Donc quand elles n'ont pas l'habitude de participer aux choses, elles ont un peu peur au début, elles se disent c'est un piège, il est où le loup là? Et finalement, quand elles voient que c'est fait naturellement par tout le monde, elles y participent et ça devient quelque chose. En plus, ça participe à la dynamique d'entraînement, à l'émulation, enfin, il n'y a que des effets bénéfiques. Et tu disais qu'au tout départ, tu étais un entraîneur qui voulait tout contrôler. Donc maintenant, qu'est-ce que tu peux préciser à nos coachs là, qui nous regardent? À quel moment ton expertise de coach, elle arrive? Alors, bah justement, dans le guide, c'est-à-dire que je fais la part belle au savoir-faire déjà des joueuses, c'est-à-dire que j'estime qu'elles savent beaucoup de choses. Et donc, quand elles ne le savent pas, ou quand elles sont approximatives, ou quand elles manquent de précision, eh ben, moi, mon staff, nous apportons les précisions nécessaires qui nous apparaissent comme nécessaires et incontournables pour passer le cut du perfectionnement, tout simplement. Donc, en fait, c'est presque de la chirurgie, en fait. On n'est pas on est dans l'aspect chirurgical. Si, en fait, on dit souvent le silence est d'or. Si tu n'as rien à dire de pertinent, tais-toi. Le silence vaut mieux qu'un mot. Ben, c'est pareil. C'est-à-dire que si les joueuses, elles disent ce qu'on avait envie de leur faire dire, est-ce qu'on voulait leur dire, ben, c'était. Et si elles n'ont pas tout à fait tout dit, bah, ou tout compris, ou tout assimilé, à ce moment-là, on reprend un petit peu le lead. Voilà. Et donc, tu te trouves aujourd'hui plus efficace en utilisant cet accompagnement et cette expertise technique qui vient dans le guide de l'athlète plutôt que l'entraîneur directif, si je te suis.
Ah bah oui, mais je déteste l'entraîneur directif que j'ai été. Si je pouvais le brûler, je le brûlerais, mais en même temps, il m'a permis de devenir celui que je suis aujourd'hui. Donc, dans lequel, à titre personnel, après, si ça se trouve, les joueuses, elles aiment pas non plus, mais je veux dire, pas là, moi, je me sens bien avec ce que je fais, je suis aligné, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose de parfaitement intéressant. Avec mon staff, on en parle souvent, on essaye d'aller dans ce sens-là tous ensemble, et on se sent aligné, quoi. On se sent bien, parce qu'il y a une équipe qui vit, des joueuses qui sont heureuses, une équipe qui a la banane. Une équipe qui joue bien sur le terrain, une équipe qui s'exprime, c'est quand même plus intéressant qu'une équipe qui est lobotomisée, quoi. Là, tu vois, c'est passionnant ce que tu nous racontes et ça passe super vite. Il nous reste à peine 5 minutes avec toi. J'aimerais que tu puisses nous dire au travers de toutes ces expériences-là que tu as le conseil que tu donnerais à un jeune entraîneur. Parce que comme tu l'as dit, un jeune entraîneur, il veut tout contrôler. Mais comment un jeune entraîneur, il peut s'approprier ces méthodes-là et se dire, bon, ben, OK, je peux le faire. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, sur ça, parce qu'on va parler de management là. Ce que tu racontes, c'est en fait du management, c'est-à-dire comment s'approprier les choses pour laisser faire. Et je vais prendre les exemples pratiques pour répondre à cette question. Donc, je vais passer relativement là-dessus. La première chose que je dirais, c'est la connaissance. Alors, la connaissance de soi, je parle des joueuses, hein. C'est-à-dire qu'une joueuse, je demande, je dirais à ces jeunes entraîneurs, fais en sorte que la joueuse se connaisse elle-même, qu'elle connaisse les autres, le contexte dans lequel elle est et les attendus de ce contexte-là. Donc, nous, on fait ça par des questionnaires, par des discussions, par des entretiens. C'est se connaître, point fort, point faible, registre de jeu, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas et compagnie. Deuxième chose, le point de départ. Je dirais au jeune entraîneur, le point de départ, ce n'est pas l'entraîneur, c'est la joueuse et ses compétences sur et en dehors du terrain. Donc, la connaissance de la joueuse. Qu'est-ce qu'elle sait faire maintenant? Qu'est-ce qu'elle peut faire demain? Comment on peut se projeter à la fois sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain? Les leaders, les capitaines, les joueuses qui vont avoir un rôle autre. Bon, là, la construction du staff, j'ai passé là-dessus. C'est un management participatif également. Je dirais à ce jeune entraîneur que le socle de son équipe et de ses joueuses, c'est l'autoconstruction des valeurs communes. En équipe nationale, ce sont les joueuses qui conçoivent les valeurs de l'équipe. C'est elles qui réfléchissent, c'est elles qui proposent, on fait des jeux de rôle, on fait des brainstorming, elles nous donnent leur travail et nous, on valide les choses. C'est le socle de la performance de l'équipe, les valeurs. Derrière, les objectifs, c'est pareil. Rapidement, avant, j'étais dans le step by step, c'est-à-dire on arrive à un championnat d'Europe, on a un match à jouer le lundi, bah, on va le jouer, puis on verra bien ce qui se passe, puis après mardi, on verra bien ce qui se passe. Step by step, ça doit nous emmener jusqu'à un objectif. Maintenant, c'est différent. C'est les joueuses qui construisent leur objectif en prenant en compte leur niveau de jeu individuel, leur niveau de jeu collectif qu'elles peuvent analyser, l'analyse des autres, des adversaires. Et donc, 4 mois avant la compétition, c'est de la PNL, hein, elles créent leur objectif final. Voilà. Pourquoi? Pourquoi on pense qu'on peut être championne d'Europe? Pourquoi on dit ça? Donc, il y a du sens. Et une fois qu'on est au championnat d'Europe, on le sait, on l'a dans le coin de la tête, on sait pourquoi on est là. Et donc, on peut après être dans une logique de jour après jour, puisqu'on sait pourquoi on est là et là où on veut aller. Il n'y a plus besoin de le rappeler. Je dirais donc de laisser construire, de laisser s'approprier le projet par les joueuses. Les règles de vie, c'est parti, sauf celles qui sont innégociables, hein, par rapport à la fédération. Nous, c'est notre contexte qui, certaines règles de vie sont innégociables. Mais pour les autres, on essaye de le faire avec les joueuses. On fait beaucoup de forums de communication et de prise d'initiative poussée. C'est-à-dire que pour s'approprier le projet, il faut que les joueuses elles puissent avoir un espace où elles puissent communiquer et où elles puissent proposer des choses pour que le projet puisse avancer aussi avec elles et avec leur prise d'initiative et qu'elles se sentent libres et de le faire. La construction commune du cadre de jeu et de la liberté. Par exemple, on dit souvent aux joueuses. Bon, après 2 semaines d'entraînement, en équipe de France notamment, on dit, bon, qu'est-ce que tu penses de la manière dont on joue? Qu'est-ce qu'on pourrait modifier? Qu'est-ce qu'on pourrait enlever ou ajouter là-dessus? Donc, elles prennent aussi l'initiative sur l'aspect tactique. Voilà. Arnaud, on arrive à la fin, je suis désolé, Bien sûr. tu vas peut-être pas pouvoir nous parler de la programmation, peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine intervention, on le définira ensemble juste après. Juste, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est j'ai l'impression que tu as gagné en puissance. Voilà, la puissance, ce n'est pas le bon mot, j'ai gagné en sérénité. Ouais, quand je dis puissance, je ne veux pas dire, si tu veux, en force ou je suis comme ça, je voulais dire que
tu es devenu aligné avec ce que tu étais et ça rend ton message encore plus pertinent et plus cohérent. C'est ça, dans ce sens-là, que je veux le mot puissance pour moi. Bah, c'est un peu ça, c'est l'idée de... Oui, c'est, en fait, moi, j'adore la cohérence. Et en fait, on peut pas vouloir contrôler les joueuses et leur demander d'être créatives. On peut pas leur demander de parler si on leur donne pas d'espace de communication. On peut pas leur laisser leur dire « exprimez-vous » alors qu'on les laisse pas s'exprimer. Donc ça, c'est de l'incohérence. Voilà. Et donc, à partir de là, bah, c'est simplement rendre la cohérence. Je vais juste montrer ceci. En conclusion, voilà, j'ai deux phrases moi, que j'aime beaucoup. Pour accomplir de grandes choses, nous devons non seulement agir, mais aussi rêver, non seulement planifier, mais aussi croire. La croyance, les systèmes de croyance, les valeurs. Puis une dernière que j'aime beaucoup, parce que c'est un monsieur que j'adore. Pour toute grande œuvre, il faut de la passion, et pour la révolution, il faut de la passion et de l'audace à haute dose. Et c'est monsieur Ernesto Guevara qui le dit. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est redonner... On va dire, non pas le pouvoir au peuple, c'est de dire, c'est le populisme, mais c'est de redonner le savoir aux gens qui peut-être savent déjà des choses. Et notre posture à nous, c'est d'accompagner les choses, de laisser jouer, mais non pas de laisser jouer dans le vide. C'est-à-dire, il faut corriger, mais corriger avec une précision chirurgicale et à propos, et pas tout le temps, et pas se mettre au centre du dispositif. Ouais, et ce qui est intéressant dans ton propos, c'est qu'effectivement, tu gardes de la maîtrise, mais tu le fais différemment. C'est ça qu'il faut retenir pour moi de ce que tu dis. C'est exactement ça. C'est exactement. Voilà, on maîtrise le cadre. Mais pour ça, il faut que l'ego avec lequel on vit en tant qu'entraîneur, il ne soit pas placé au mauvais endroit. Parce qu'encore une fois, je ne me désengage pas de l'apprentissage ou du perfectionnement. Je le fais simplement différemment et je le fais par les joueuses. Voilà. Et en fait, ça rend... là, par contre, ça rend les joueuses beaucoup plus puissantes. Beaucoup plus puissantes. Et c'est peut-être un petit peu de temps perdu au début, on pianote un petit peu, mais par contre, l'effet, il est démultiplié. Et encore une fois, moi, c'est la façon dont les joueuses vivent les choses qui me font penser que c'est plutôt pas inintéressant. En tout cas, merci parce que c'était passionnant et ça traduit vraiment l'entraîneur que tu es devenu et les joueuses que tu as eues peuvent en témoigner tout au long de ton évolution personnelle. Je voulais juste vraiment te remercier pour ce temps de partage et ce temps d'échange où tu as accepté de montrer qui tu étais et ce que tu es devenu. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une belle leçon pour un entraîneur qui doit tout le temps être en évolution et en permanence s'adapter à ce qu'il devient. Je vous remercie pour votre attention. Je voulais juste attirer l'attention sur le fait qu'on a, au sein de FFB Formation, développé un autre produit qui sont les podcasts. Et il y a 4 podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement de streaming. Et donc, allez voir et allez plutôt écouter ces podcasts-là. Il y a des choses très intéressantes liées à l'arbitrage. Et le premier podcast lié à la relation arbitre-entraîneur avec Johan Janot et Freddy Fautou. Donc, on est effectivement avec les formations plein de créativité et de recherche pour vous amener beaucoup d'outils à destination de vos pratiques de technicien et d'officiel, et on vous réserve prochainement quelques surprises. Merci beaucoup Arnaud, je te souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. À très bientôt.